balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es un nyoso biloko ya ya wali yo kongole oni ginde kola yo a sali sa yote bona kolia na yo moko babonde la yo bona nzoto na yo babo ya ele poko babonde la yo balobi bio Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas chinois sinon on est pas ya sinon on est ali Ne colère pas de ça, parce que c'est un logo yambo, ya fresh, ya bio, bio na bio, bio na bio, si on a mangé le poulet mon canja isali, par obi njomo yali, en Cuba paniwa, par obi njenge isali, ya komba kanga ya shembo to yambi sela, par obi niyamba ya bosu ya boko boso isaga ne, kala ngando ne kala ni na basi, oye tuke na sutu, isako dia na peti, kwa mama mande. Pour pas comprendre le thème, pas comme où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie, pas pour les radis, Coriana, appétit! Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver face à face, comme je vous avais toujours promis. Par semaine, on aura. Toujours une personne, c'est le prophète Emmanuel Dodi, le prophète majeur. Chaque fois une semaine, mais c'est, il est difficile à l'avoir, ce qui est vrai, très difficile. Mais il, aujourd'hui, encore une fois, il nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Nous parlons des miracles, mais aussi de la politique. Ce sont les deux grands thèmes de ce soir. C'est quoi les miracles? Comment on opère des miracles? Est-ce que les miracles sont contextuels ou les miracles restent comme ça? On en parlera. Est-ce qu'il a besoin de faire des jeûnes et prières pour opérer des miracles ou le miracle est une alliance de sa mission? On en parlera tout à l'heure avec lui. Mais aussi, les origines du pouvoir. Ce sont les deux grandes thématiques. Et vous le savez, à la fin de l'émission, vous allez voir certainement des témoignages. Vous avez apprécié les anciens témoignages, mais là, il y a encore un témoignage. Et la semaine prochaine, vous en aurez encore un peu plus. Pasteur, prophète Emmanuel, bonjour. Bonjour mon frère et bonsoir, que Dieu vous bénisse. Vous êtes très bien habillé, comme toujours d'ailleurs. Vous aussi, merci, c'est gentil. Oui. Et nous remercions les internautes qui nous suivent et même ceux qui nous suivront, d'autant plus que la science a évolué. Quelqu'un peut ne pas te suivre aujourd'hui, mais peut te suivre demain. Oui. Nous invitons encore davantage que les gens vraiment s'abonnent à cette chaîne. Ah, merci. Ah, oui, tout à fait. Et donc, nous sommes là pour vous. Il est vrai que. Notre volonté, c'est d'être présent une fois la semaine, mais il se fait qu'indépendamment de volonté, il y a autant de choses, ce qui fait que parfois, vous me voyez un peu absent, mais et la volonté voudra c'est que je sois présent. Et ce que je ferai, si Dieu le permet, je pense que tu le permettras. Mmh. Merci. Alors, je voudrais qu'on aille rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tout à fait. Qu'il faut laisser les gens suivre les témoignages. On parle très souvent des miracles. Miracle par-ci, miracle par-là, miracle, miracle... Est-ce que pouvez-vous nous dire exactement ce qu'est le miracle dont on parle souvent? Merci. Hein? Les miracles, au pluriel, peuvent se définir à des dimensions différentes. Voyez-vous, il y a le miracle circonstanciel, il y a le miracle permanent. Vous avez utilisé le terme contexte. Moi, j'ai dit circonstance. Ok, très bien. C'est simple. La Bible dit, commençons par là, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça. Ça ne demande pas autant d'alchimie pour comprendre cela. Voici les miracles, pas l'eau, les miracles au pluriel, qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, c'est Jésus qui dit, en son nom bien sûr, vous prierez pour les malades et ces derniers seront guéris. En mon nom, vous chasserez les esprits. En mon nom. Et donc, quiconque croit doit vivre les miracles. Là, c'est général. Maintenant, il y a le miracle particulier. À ce moment-là, nous quittons l'étape de la croyance, nous basculons dans l'étape des dons. 1 Corinthiens chapitre 12, de 1 à 10, les choses sont limpides. La Bible dit, il y a autant de dons, mais
le même esprit. Parmi les dons énumérés là-dessus, vous trouverez celui des miracles. En ce moment-là, celui qui est porteur de ces dons de miracles devient un peu supérieur par rapport à un enfant de Dieu qui a crié, d'autant plus qu'il est dit, voici les miracles qui accompagneront ces conquérants. Voyez-vous. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer, j'entends un peu des débats terre à terre à un moment donné. Hein, bon, même ces derniers temps, j'entends de telles histoires derrière moi. Lui, c'est toujours les miracles qu'il enseigne. Ah, mais je suis un prophète messager. Et donc, l'enseignement, c'est un domaine de prédiction pour moi. Maintenant, ici, nous venons, par rapport à un temps qui nous est donné, on présente ce que Dieu fait. Si un enfant de Dieu manque les miracles, mon frère, vous savez qu'on peut vous, même vous, vous pouvez le faire. Que personne ne vous terrorise, même nous qui passons ici. Même vous, là, on vous amène quelqu'un. Si vous avez crié, vous devez s'appuyer sur les versets qui disent « Voici les miracles qui accompagneront. » Vous comprenez? C'est cela la marque. C'est celui-là le sceau. Est-ce que celui qui est assujetti, celui qui est captif, s'il croit, peut-il produire un miracle? Oui et non. Oui, comment? Je sais ce que je veux dire. Vous venez de corriger un grand professeur ici, à tout à l'heure. Vous êtes vraiment un juriste. Nous parlons avec les faits. Mon frère, maître, la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas ceux qui seront délivrés. On ne les assujettit, les domine. Non, non. Si il a cru, la suite des événements, ça ne nous concerne pas. Qu'on reste dans ce qui est dit. Donc, si je suis malade et que je crois, moi qui suis malade, je crois en Dieu... Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je peux me guérir. Évidemment, je suis dans ce verset-là. D'accord. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Point barre. D'accord. Là, j'essayais de dissocier les choses. Au plus bas niveau, quiconque croit ou quiconque a cru, il peut opérer les miracles. Mais au second niveau, au moyen niveau, maintenant, il y a ceux qui portent les dons. En ce moment-là, les choses se diffèrent les unes aux autres. Est-ce que les dons sont forcément pour les chrétiens ou il y a des hommes et des femmes bonne qui question. Sont comme ça? Tout à fait. Les dons sont réservés qu'à ceux et celles qui ont cru seulement. Hein? Un païen, il a la grâce, il peut bénéficier de la grâce. Tandis qu'un enfant de Dieu, il a et la grâce et la foi. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, c'est la foi qui s'invite. Voyez-vous? Mais... dans la grâce, Dieu peut prévoir sa pluie parmi les justes, parmi les méchants. Mais les dons est réservé à ceux-là qui ont cru et qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors, est-ce que dans la croyance, là, le fait de croire, est-ce qu'il y a des dimensions et des dimensions maintenant? Il y a des gens qui ont cru, mais c'est vrai, ils ont peut-être cru, mais ils n'ont pas cru à la profondeur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont terriblement cru? Je ne sais pas si on peut utiliser les termes. Très bien, ça aussi c'est vrai, les dimensions. Hein? Très bien, ça c'est la forme. Si nous entrons dans les fonds, il y a des choses que nous devons dire, c'est que ça ne suffit pas de croire, voyez-vous. Tu peux croire, c'est comme quelqu'un qui a semé une graine ou une semence. Ça ne suffit pas de placer une semence sous la terre. Il faut l'entretenir, il faut qu'il y ait de l'eau, patati patata. Il en est de même à celui qui a crié. Est-ce que parce que j'ai crié, c'est pour autant que je dois continuer à se baigner dans le péché? Absolument pas, voyez-vous. Est-ce que c'est comme, un peu comme on fait le droit ou la médecine? Un élève, un étudiant de G1 médecine, il est étudiant en G1. Il est juriste. Il est, déjà. Oui, il est juriste. Vous dites. Mais il n'est pas avocat. Il n'est pas encore avocat. Quand il est juriste, il est seulement en G1. Il y a d'autres qui sont en G3, en L1. Tout à fait. Est-ce que dans la foi, c'est comme ça aussi? Il y a des petits, des grands, des très grands? Oui, oui, oui. La Bible dit, nous devons plus s'appliquer, d'autant plus affirmer notre foi et notre vocation. Affermir. Nous devons s'appliquer, d'autant plus affermir. Maintenant, quand j'écris, c'est comme un enfant né, il doit grandir, machin, machin. Ce qui doit entretenir maintenant la foi, c'est là où la prière, la vie de sainteté, lire la parole, et surtout, marcher dans la volonté de Dieu. Avec ces choses, je pense qu'on n'a pas cherché d'autres miracles. Avant de rentrer dans le miracle, une question me vient. Comment on grandit dans la foi? Est-ce qu'on grandit dans la foi en écoutant le message, le vrai message? Est-ce qu'on grandit dans la foi en passant par les épreuves? Est-ce qu'on grandit dans la foi quand on rencontre Dieu lui-même? Très bien. Toutes ces choses que vous venez de dire concourent, constituent à ce que la foi d'un frère, d'une sœur grandisse. Okay? C'est normal parce que la foi a besoin de ses preuves. Sans sérieux.
La foi a besoin de prières, de sainteté. Dieu lui-même, qui appelait une personne, un homme, fera en sorte que cette foi grandisse, mais en passant, en faisant en sorte que celui qui a crié puisse passer par des voies diverses, par des chemins divers. Hein. Il y aura des épreuves, il y aura des coups, des tentations, des tribulations, marcher, toutes ces choses. Dieu fait en sorte que celui qui a crié puisse les croiser pour mieux faire grandir sa foi. Est-ce que c'est possible de grandir dans la foi sans aller à l'église? Mais non, là-bas, là, une certaine confusion peut s'installer. Mmh. Vous savez, la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est notre coutume. Voyez-vous? Et c'est Hébreu 10, 25. Là, ce n'est pas Dieu qui dit, c'est un homme de Dieu. Qui le dit? Est-ce un prophète? Est-ce un pasteur? Ou c'est Dieu? C'est ainsi dit l'Éternel. Ah, ok. Mais vous venez de causer un grand professeur tout à l'heure. Vous avez utilisé la Constitution. Oui. Parce qu'il lui a menti. Oui. Bon, on ne dit pas à un super qu'il a menti, n'a pas dit la vérité. Si je dois appliquer une bonne manière. Mm. Ok, très bien. N'a pas dit la vérité. Mais au moins, vous avez essayé d'une manière polie. Et vous l'avez l'aidé. Vous l'avez aidé. Il en est de même pour nous, les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui vous a donné force parce que vous avez utilisé la Constitution? Vous n'avez pas insulté, mais vous avez dit quel est le droit. Maintenant, ici, pour un enfant, c'est la Bible. Alors, me dire que ce n'est pas Dieu qui a dit, mais dis-moi, maître, quel est le terrain par excellence que Dieu utilise? Quel est le livre que Dieu utilise? Ce n'est la Bible. Okay. Donc, c'est la Bible qui le dit. D'accord. Bien que, attention, dans la Bible, il y a trois paroles. Hein. Comme je vous ai souvent dit, il y a la parole de Dieu. Hein, tout ce qui est écrit par la parole de Dieu, et il y a la parole des hommes, il y a la parole de l'ennemi Satan. Maintenant, on a besoin d'un prophète pour pouvoir comprendre que, pour nous faire comprendre que non, ici, c'est la parole de l'ennemi, ici, c'est la parole des hommes, ici, c'est la parole de Dieu. D'autant plus que Paul est clair, il dit, ici, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi. Au moins, lui a été honnête. Et les autres. Et voilà. Cette parole-là. Voilà. Et les autres qui n'ont pas eu cette amabilité de reconnaître que ici, ce n'est pas le Seigneur. Et cette parole s'est introduite dans la Bible. Très et ce qu'il lit, Dieu a dit. Dieu. Alors revenons au miracle. Pasteur, vous avez parlé du don. Vous dites qu'il y a des gens qui ont reçu le don. Tout à fait. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un qui a reçu le don est obligatoirement un affranchi? Est-ce que ce n'est pas un don congénital des familles héréditaires? Parce que nous avons vu, par exemple, dans les villages, il y a des guérisseurs. Lui, il a reçu le don de guérir. Vous venez comme ça, vous êtes malade, à Simbion, en bas, tout ça, allez, en bas, sur l'ongue. Est-ce que ça, on peut dire que le don est un, c'est exclusif aux enfants de Dieu, aux affranchis? Merci. Si vous, quand je suis avec vous, j'aime vous appeler maître. Oui. Ça me fait du bien. Merci. Que de vous appeler journaliste. Il n'y a pas de problème. C'est bon, maître. Écoute, il y a la règle, il y a l'exception. Il y a le droit, il y a le privilège. Très bien. Ce que vous dites en soi, ce n'est ni le don, ni grâce, c'est le talent. Ah, d'accord. Très bien. Oui, le talent est inné, mais le don, ne l'est pas. Le talent de guérir aussi. Tout à fait. Et ça, c'est un talent ou un don? Non, ça, c'est non, non. Ça, c'est un talent qui peut donner. Parce que par rapport aux fétichères, ça, ce n'est ni talent, ni don, c'est autre chose. Ça, c'est l'ennemi qui donne. Le talent, c'est par exemple un enfant. Qui joue bien au football, au basketball et tout ça. Ça, c'est un talent. En anglais, on appelle ça un zébi. Voilà. Ouais. Ça, c'est le talent. Mais les dons, on les reçoit que quand on a cru. Si tu n'as pas cru, mets dans ta tête que ce que j'ai fait, ce n'est pas les dons, c'est le talent que Dieu m'a donné. OK? Alors, on est né avec le talent, ouais. On n'est pas né avec les dons. Pasteur, je voudrais qu'on soit précis. Très bien. Je connais des hommes et des femmes qui n'ont pas reçu ça du diable, par exemple. Mais ça, on t'a boucané le colo. Vous voyez, à simbi, 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 et puis finalement... Évidemment, c'est ça, c'est un talent. Hein. C'est vraiment un talent. Ah d'accord, c'est pas un don. Ça n'a rien à faire avec les dons. Parce que la procédure est claire. La formule est celle-là. Voici les miracles qui accompagneront. Ceux qui auront cru. S'il n'y a pas la foi, tout ce qui peut se faire, ça n'engage pas Dieu. Ça, c'est le talent. Où Dieu agit au niveau du talent, au niveau des dons, au niveau des grâces, au niveau des ministères, au niveau d'opérations. 1 Corinthiens chapitre 12, de 1 à 10, tout ce que j'ai dit est là, l'opération, le ministère et les dons. Voilà. Parce que c'est Dieu qui opère tout en tous, c'est le Seigneur qui donne le ministère, c'est l'Esprit qui donne les dons. Vous voyez comment ces choses sont bien réparties. L'Esprit, lui, a comme mission de donner les dons. Quand tu as cru.
Le Seigneur a comme mission de donner un ministère à celui qui a crié. Et Dieu opère tout en tout. Tandis que les talents, que tu sois païen, que tu sois chinois, américain, tout le monde est né, hein, chacun est né, portant un certain talent. C'est dans ce sens-là. Alors, mais disons, ceux-là qui disent qu'ils voient, ils voient l'avenir. Il y a des femmes et des hommes qui disent très bien. Il y a les médiums, ceux qui prédisent l'aventure, l'avenir, les sortilèges. Et là, ça, c'est l'ennemi. Parce que l'ennemi, Satan, qu'est-ce qu'il fait, maître, hein? Il a copié en soi, ce n'est pas du propre, c'est du photocopie. Il a volé les choses que Dieu devrait donner à l'Église pour donner à ses affidés, à ses acolytes. Maintenant, celles et ceux qui sont éclairés, ils n'ont qu'à comprendre que ce que l'ennemi donne là, ce que l'ennemi dit là n'est que rien. C'est Dieu qui en a tout, c'est Dieu qui est le vrai détenteur. Personne et personne alors n'est détentrice d'une certaine vérité pour pouvoir dire à quelqu'un ce que tu seras demain. Oui, par l'ennemi, par la magie, par les médiums, on peut faire ces choses-là. Et même alors, j'insiste, Dieu reste Dieu. Ça, ce n'est pas l'ennemi. La sorcellerie n'est qu'une photocopie de ce que Dieu avait prévu. Et ceux qui disent, par exemple, qu'ils ont un talent, je reviens à ce que vous dites, ils ont un talent de voir, ils ont un talent de pressentir. C'est comme vous, mon frère. Mais vous êtes béni. Dieu vous a donné un verbe. Ça, c'est un talent extraordinaire. Maintenant, les gens peuvent vous couper, dire, tu es un pasteur terrible. Ouais, ils disent beaucoup. Pourtant, c'est pas vrai. Putain, non. Pourtant, je n'ai pas reçu ce don. Non, Dieu vous a béni, vous a donné un fervoratoire extraordinaire. Les niais, c'est peut-être la mauvaise foi, comme les Congolais aiment ça. Non, non. Hein, quand quelqu'un, Dieu lui a donné quelque chose, j'ai dit bien talent. Ce n'est pas pour autant que j'ai parlé que vous avez ministère. Mais non, bien que vous parlez bien. Mais Dieu vous a donné un talent. C'est quelque chose que Dieu vous a donné pour faire de vous un monsieur dans la société. Le talent a l'objectif de Dieu n'a jamais créé mon toit pour échouer. Il a donné à chaque homme un talent. Et talent, on a essalaïe. Maintenant, c'est parce qu'ils ne comprennent pas cela. C'est ce qui fait que, ne comprenant pas cela, ils vont fréquenter les féticheurs. Les féticheurs ne donnent rien. Satan, c'est un menteur, c'est un imposteur. Il fait réveiller que le talent que Dieu t'avait donné, mais ne te fait voir que, non, c'est parce qu'ils en sont aveuglés. Alors, comment vous arrivez, vous, je sais que ça, c'est une question difficile pour vous, mais comment vous arrivez-vous à guérir des maladies déclarées impossibles de guérir dans les hôpitaux, des maladies déclarées incurables? Comment vous faites pour éliminer ça? Vous avez guéri des cancers, vous avez fait marcher des boiteux, des infirmes, vous avez fait voir, rendu la vue à ceux qui en avaient perdu. Comment vous arrivez à le faire? Maître, laissez-moi vous jeter des fleurs. Je vous ai suivi avec Jean-Marie Kassamba. Oui. C'était terrible. Merci. Merci. Vous avez dit ceci, que mon père m'avait dit, parce que je connais votre père, le célèbre maître Philippe que je salue. Vous savez, je connais votre papa, je connais la famille. Vous êtes porté d'une intelligence qui ne dit pas son nom. Merci. C'est quelque chose familial. Vous avez dit que mon père m'avait dit ce que tu as, ce que tu n'en as pas, tu n'en as pas. OK? Et quand je vous suivais, j'allais vous dire, il fallait lier cela avec un verset biblique qui dit, la foi, c'est une richesse pour celui qui se content de ce qu'il a. Amen. Ok? Je me contente. Mon père m'avait dit, mon fils, ce que tu n'en as pas, tu n'en as pas. Ce que tu as, mais il fallait lier avec la foi. Maintenant, je reviens à notre mouton. Très bien. Est-ce que c'est moi qui fais? Absolument pas. L'homme aura que ce qui lui a été donné par Dieu. Ce n'est pas moi, Maître Bossembe, qui opère. Si on a levé, souvenez-vous, les émissions antérieures, les émissions passées que nous avons à faire avec vous, je vous ai souvent dit, si on a levé Dieu à moi, je reste Koulouna. C'est Dieu qui opère. Je n'ai rien et rien. Et c'est ce qui fait que les gens trouvent cette humilité, cette simplicité, ils comprennent qu'on a affaire à un monsieur qui nous dit la vérité. Mais ça résiste à d'autres, à vous, ça ne résiste pas, pourquoi? Mais ce que j'ai dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Maintenant, le problème, c'est peut-être, premièrement, j'ai un don, ok? J'écris parmi les dons, j'ose croire, il m'a donné celui des miracles et des guérisons. C'est vraiment incontestable, très bien, ok? Quand il m'a donné ces dons-là, maintenant, ce qui me concerne, je dois entretenir ces dons,
par une vie de sainteté, par une vie de prière, par la lecture de la parole et rester dans la volonté de Dieu. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait, sincèrement. Ce que je vous dis est vrai. Ceux qui sont loin et près savent que c'est un homme vraiment de prière. Mmh. Maintenant, ma vie, vous la trouverez toujours dans la prière. Ce qui n'est pas le cas peut-être avec d'autres ministres de Dieu qui aujourd'hui n'est même pas l'église, mais les affaires, tout ça. Et pourtant, j'ai des affaires qui avancent très bien. Je suis quand même béni. Ce n'est pas pour autant que je suis plus dans mes affaires puisque l'œuvre de Dieu. Donc, j'ai fait en sorte que ce que Dieu m'a donné. Et je tiens à le souligner que ce n'est pas moi, maître, c'est Dieu qui agit à moi. Est-ce que vous avez parce que vous avez ce don, je dois le dire. Tout à fait. Vous avez, il n'y a pas longtemps, Dieu, si vous voulez que je dise, Dieu a guéri une femme d'un cancer au travers vous. Mais ce n'est pas que le cas que je connais beaucoup d'autres cas comme ça. Tout à fait. La question est celle de savoir, quel rituel faites-vous? Parce que parfois, vous ne faites rien d'autre. Je vous ai vu une fois, une dame avait des problèmes de vue et ainsi de suite. Vous l'avez appelée, vous l'avez dit, bon, vas-y, Dieu t'a béni. Sans la toucher, en fait. Et finalement, elle a été guérie, elle a repris elle a revu, comme on peut dire. Oui, mais comment vous faites? Parce qu'il y a d'autres qui font manger les femmes. Babandunda, Lia Matembele, Melama Inanga Oyo, Salaboye, Elala Kiawa et Simba Kiawa. Mais comment vous faites? De telles pratiques. C'est Dieu qui vous dit ou c'est l'habitude que vous avez avec Dieu? Très bien. Je prends une minute. Oui. C'est vraiment... Je regarde tout droit la caméra. Allez-y. C'est une bonne question. Je venais de le dire que quand Dieu t'a donné, il faut entretenir ce que Dieu t'a donné. Il y a les dons, il y a le ministère, il y a la grâce et l'opération. La question de Maître Bossembe tourne autour de l'opération. Est-ce qu'il y a-t-il de certaines pratiques? Il y a autant de rites que j'ai fait? La réponse est non. C'est au niveau de l'opération. Celui qui porte un don, celui qui porte un ministère, doit savoir comment Dieu l'utilise. Ok, ça peut arriver comme la dame, c'est d'un temps, c'est presque un mois, son témoignage est en train encore de bouger. Elle vient, bon, il est invité par une sœur que je salue, Christelle. Elle vient, elle ne voulait même pas parce qu'elle a sillonné toutes les églises, ça n'a pas évolué, elle a croisé autant de médecins, elle attendait peut-être sa mort. Mais non, elle vient, bon, ce jour-là, Dieu me dit, ok, dites aux gens, d'amener, chacun met une bouteille d'eau. C'est ça. Ce n'est même pas moi qui amenait cette eau-là. Non, chacun veut amener sa bouteille. Tu viens, je touche ta bouteille, c'est fini. Et la vie, elle a été guérie. Bon, dans d'autres cas, il y a ceux qui viennent, j'ai dit tout simplement, Dieu m'a dit, je lève ma main, je prie, ça dépend, parce que même du temps de Jésus le Seigneur, souvent il disait, ta foi t'a guéri. Pour les autres, il leur disait, allez se jeter dans l'eau. Pour les autres, il jetait la salive sur la terre. Il prend la salive avec un peu de poussière, il fait la boue, il met sur les yeux et la personne recouvrait la vie. Ça dépend. Maintenant, ça, c'est l'opération. Maintenant, je n'ai aucune pratique infernale ou ténébreuse, mais c'est tout simplement dans l'opération. Parce que les dons travaillent dans l'opération. C'est quoi? C'est ça le mystère. Nebunganga. C'est ça le clergé charismatique. Comment Dieu m'utilise? Je peux savoir que pendant ce temps, je suis avec Dieu. Pas maintenant, si je vois l'opération disparaître, je ne peux rien forcer. Là, je me raconte que Zambazanangate. Ce qu'il a forcé est aussi Mbappé. C'est là où il y a le problème. Bon, si les autres, Dieu les a dit que Mbappé s'est battu Matembele, je ne serai entré dans le domaine qui est le leur, mais c'est tout simplement, j'ai dit, mais attention, tout ce que nous faisons doit marcher avec la parole. De peur que ces choses ne deviennent pas de la magie. C'est là où il y a le problème. Bien qu'Atan a pas si mal, que ce ne soit pas que Maïwana devient tout un système, que cette pratique ne soit pas systémique, ok? C'est quelque chose qui doit venir d'une manière circonstancielle et ça passe. Ce qui m'y colonne, n'a pas ça battu, n'a pas ça magie. Comme ici, et comme une magie. Très important. Mais pourquoi yo fou commissaire battuté? Non, mon noté, dit, maman, la lavana, dit, allez, papa, balouka boe, dit, allez, tamborokuna. Tout à fait, maître. Pourquoi vous ne faites pas ça alors que nous voyons, vous d'abord vous interdisez, vous filmez, bato bazo kouéa, tout ça, mais dans d'autres églises, mais c'est ça la pratique. Vous d'abord vous filmez, la ki sabato, bon sabato, pourquoi vous ne faites pas ça? Merci, maître. Vous savez, nous devons à ce peuple le respect. Ce n'est pas parce que les gens viennent, ce sont nos sujets, nous. Même un roi dans une monarchie, il respecte ses sujets. Mais quand je vois le pasteur faire ce qu'ils font, ça fait tellement mal. Ces gens-là qui viennent,
ils viennent chercher Dieu par les hommes de Dieu, par les personnes interposées que nous sommes, nous, sommes les hommes de Dieu. Faut que tu aies c'est lui que Dieu a envoyé. Ne fais pas souffrir ses frères. Ah oui, ah oui. C'est lui que Dieu a envoyé. La Bible dit qu'il soit béni. C'est lui qui vient au nom du Seigneur. Un homme de Dieu envoyé par Dieu, il ne vient pas maltraiter ses frères. Non, non. Parce que la Bible dit que dans les jours à venir, c'est Moïse qui parle de Jésus. Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il sera membre de vos frères. Vous l'écouterez. Et Dieu mettra ses paroles dans sa bouche. Et quiconque ne l'écoutera pas sera condamné. Quand un prophète arrive, un prophète, c'est un frère. Le mot frère veut dire amour, selon les Grecs et les Hébreux. Et donc, je dois aimer mes frères et sœurs. Est-ce que c'est bon de les faire marcher? Non, non. Ce n'est pas bon, maître. Très voilà. Bien. Alors, on va parler maintenant pour terminer. On va parler de la politique un peu. Parler de politique. Tout à fait. Pasteur, prophète, dites-nous aujourd'hui comment Dieu choisit les rois. Yes. Comment il fait? Quels sont les critères? C'est vrai que c'est une question assez difficile et compliquée, mais quels sont les critères que Dieu utilise pour choisir des rois et des princes? Ok, ceci va expliquer cela. Comme je venais de le dire, que on est né porteur de talents, pas avec des dons. La fois dernière, je vous avais dit ceci, que mon frère, on est né roi. Ah d'accord. Bloque ça. Bloque ça. Celui qui n'est pas né président, quoi qu'il en fasse, quoi qu'il se tue, il ne sera pas président. On est né président. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Même les appuis, n'importe lesquels. On finira à être président si tu étais né président. Mais si tu n'es pas né, voilà pourquoi la fois dit, j'étais clair. Que papa Étienne, il pouvait être premier ministre, il en a été, il n'a jamais été né président de la République. Est-ce que c'est parce mais que... le fils, le fils, il est né président Félix. C'est ce mystère-là. Pour m'écouter, il faut avoir une oreille purement spirituelle, un œil profond. Ça ne sont pas les choses de petit. Bon, comme les gens, vous savez, aujourd'hui, les gens, on le sait, les gens ne comprennent pas, n'écoutent pas les analyses objectives. Hein? Les gens cherchent les choses qui leur plaisent. Mais non, moi, je vous dis des choses vraies. On est né président. Mais dites-nous, pasteur. Oui, maître. Vous le découvrez quand la personne est devenue président ou vous avez reçu un don de voir ça avant que la personne ne devienne président. Très bien. Oui et non. C'est simple. Si vous êtes né président, vous finirez pas par l'être. C'est ça le problème. Mais dans mon parcours, vous n'aurez pas de signes. Mais non. Pas de signaux. Non, mais il y en a. Il y en a? Il y en a. Ah d'accord. Il y en a, il y en a. Comme ça, que les autres comprennent. Peut-être on dort en nous. C'est vraiment une question terrible. Voyez-vous, on est né roi. Maintenant, j'ai donné l'exemple. Parfois, les gens peuvent dire, ce qu'il dit là, ça se rapporte vraiment qu'en Afrique. Mais non, frère, il faut évoluer. Tu es scientifique. Mais je vous amène aux États-Unis, hein, parce que vous aimez parler trop des États-Unis. Le monsieur qui vient de partir ici, Donald Trump, il n'était pas favori. Quand il y avait les élections primaires au niveau du Parti républicain, doucement. Obama, je me souviens encore, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était la rue, pam. Obama, c'était comme un requin, doucement. Et Hillary, elle avait pleuré. Comment expliquer? C'est parce que Obama était né président. Et pas Hillary Clinton, malheureusement. Tout à fait. Elle ne deviendra plus président. En France, mon Dieu, ma foi. Hein, parce que vous connaissez mieux l'histoire française que la vôtre, peut-être. Mais je prends les gens de gauche ici. Dominique Strauss-Kahn. À l'époque, le numéro un de l'FMI, parce que l'FMI est donné aux Européens, Banque mondiale, aux Américains. Je pense que tous les économistes savent ça. Très bien. Pom. Maintenant, il y a les sondages qui lui donnent. Vous comprenez comment les sondages trompent, qui donnent à Dominique Strauss-Kahn vraiment président. Comme ils ont donné à Hillary aussi. Très bien, papa. Parce qu'il n'était pas le président. Il a suffi pour lui de commettre une bêtise. Ce n'est même pas cette bêtise. Était qu'un
un incident de parcours parce qu'il n'était pas né président. C'est comme ça que Hollande, que personne ne voyait. Que personne ne voyait en tout cas. Tout à fait, parce qu'Hollande était né Bossembe président. Dans ce pays, qu'on me pardonne, souvenez-vous, mais sur mon cœur, les jours de vote, Emmanuel Chadar qui porte mon nom, il dit, dès ce soir je suis président, les archives existent, n'est-ce pas? C'est pourtant qu'il était président. Félix n'a jamais fait une telle déclaration. Eh ben, c'est Chadar. Il s'est plaigné d'ailleurs, on a passé d'argent. Voyez-vous, on fait parfois, une campagne de pauvres. Et sa campagne a coûté 700 peut-être, Chadar avait les avions. L'avion, ils avaient... Et puis surtout, moi, ce qui m'était, c'est la déclaration faite ce jour-là. Quand il place son livre dans l'isoloir, son bulletin dans l'île, il dit, fini de ce soir, Chadar président. OK. On est temps. Oh, maître Bossem, on est né président. On est né président. C'est ça le mystère. Oh. Donc, on a besoin... de croiser les hommes. Ça s'est fait même en Europe, même aux Amériques, partout, qu'on ne vous trompe pas, même dans nos villages. Il en est de même pour un prophète. Hein? On est né prophète, mais d'autres ministères, être pasteur, être apôtre, c'est en devenir. Mais on est né prophète. C'est comme maître ministre de ceci, de cela, de même pouvait l'être. Mais pour être président, je signe pour Kabila. Je m'adresse à celui qui veut l'entendre. Moi, je ne suis pas là pour suivre ce que ta tête veut que je suive moi. Non, monsieur. Moi, je vous dis ceci. Dissocions les choses. Kabila est né président. Qu'il y soit tout ce que vous le qualifiez. C'est la haine, la misanthropie et la bassesse. Il est né président. Il a fait son temps. Il n'a qu'à faire quoi? C'est ça. Qui se suivez moi bien. Oui. Il n'a qu'à partir et qu'il ne revienne plus. Comment ça? Qui laisse, je vous dis, c'est celui qui laisse le temps à celui aussi, parce que maintenant nous sommes dans un monde moderne. Nous ne sommes plus dans une monarchie, nous sommes dans une république. La république, c'est ce qui nous appartient à nous tous. On n'y accepte que pas les élections. Est-ce que c'est différent d'une monarchie? La volonté de Dieu, c'est que Kabila parte, qu'il ne revienne plus. Mais, oh, papa, ou ça, c'est le bon sens? Évidemment! Et Dieu travaille avec le bon sens. Dieu, c'est un Dieu de bon sens. Parce que je venais de lui dire que nous sommes dans une république, ok? D'ailleurs, il a fait 18 ans. C'est que Félix ne le fera pas. Il n'y a pas cette magie-là. Les jours Félix se levera, changer, tripoter la conscience, sera chassé. Quoi qu'il en soit, là, c'est clair. Donc ici, que Kabila ne rêve même pas, même dans une seule seconde dans sa tête-là. Hein? Dieu vous a donné le pouvoir. Partez, prends tous ces gens-là qui font perdre le temps, qui écrivent les histoires. Vous savez, Martial avait dit, après moi, c'est les déliges. Non, non, c'est un des petits vents, il n'y a pas les déliges. Ça, c'est faux, ça. Bon, il y a le professeur qui a écrit ici, sans Kabila, la mission du pays. Non, non, Kabila ne parle, le pays continue. C'est pays, c'est un mystère. Il ne faut pas trop nous terroriser. Sans toi, sans ça, sans quoi. C'est pas vrai. Félix aussi, il lui reste 2 ans. Bon, moi, j'ai pris que Dieu lui donne encore 5 et 10, il va partir. Vous me souhaitez? Non, il fera des mandats. Vous priez pour qu'il fasse des mandats. Tout simplement. Moi, j'ai pris pour qu'il fasse cela. Parce que c'est logique. Vous savez, quelque part, hein? Les Bakongo ici, parlons un peu d'autre chose. Ayons des pièces. Les Bakongo ont accédé au pouvoir. Bossembe, les Bangala que vous êtes, vous avez accédé au pouvoir. Nous, on ne parle même plus, on a fait 32 ans quand même. Il faut qu'on se taise un peu. On se taise un peu là. Les Baswahili, 18 plus 4 ans de Kabila. Le père, combien? 22 ans. Papa. Hein? 22 ans. On laisse aussi Bandeko. C'est une question Yabomoto. Totikana, non? Baloubana, non? Et puis ça fait un tour cyclique, hein? On a 4 blocs linguistiques. Très bien! C'est ce qui est bien. Vous voyez qu'on laisse aussi au Balouba. Comme ça, maintenant, ce qui est s'il est, il y a des abissonions sur Kozo Abo Konji. C'est le cas bien. Tout le temps que nous avons Félix qui n'a pas tout l'ingaïe. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Bande Kouba Swahili. Eh, Atabino Bok. Tala. On me dit ça, bah, ça bien. 22 ans. Si Chadar Azouaka, Azou encore d'ici, 32 ans. De deux égalés, maman, vous voyez-vous? Donc, on est né président Bossembe. Que président Kabila, il était né président. Vous devez l'aimer, mais à une seule condition, qu'il ne revienne plus. Ça, c'est souple, c'est sage. C'est que je dis. Est-ce que Fayulu est né président? Oui et non. Là, ce n'est pas à moi. Je salue président Fayulu, président de l'Essidé, bien sûr. Ce n'est pas à moi. S'il est né président, il finira.
quel que soit le temps, Wade a pris le pouvoir à quel âge, Bosembe? Vous connaissez bien l'histoire. Joe Biden, d'ailleurs. Joe Biden a raté plusieurs fois. Il a échoué dans beaucoup d'élections. Parce qu'il est devenu président. Président. C'est ce mystère. Même si vous restez un jour, donc, les élections ou la guerre ou coup d'État sont de simples moyens que j'utilise pour y accéder. Comme aujourd'hui, des coups d'État, il ne faut même pas en parler. C'est les élections, c'est comme ça que Dieu prépare. C'est pour ça, moi, hein, quand je parle d'histoire, voilà. Ah, vous m'avez écrit, vous m'avez demandé de bien éclaircir ces choses par rapport à cette émission. Très bien, je suis dans la Bible. Vous m'avez demandé, chez tous les grands professeurs de Columbia University que je salue, merci, vous m'avez dit que vous parlez bien, mais expliquez bien les choses. Tenez, géographiquement parlant, qu'est-ce que c'est la géographie? N'est-ce pas une science qui étudie la terre? L'Israël n'a pas la terre, vous êtes d'accord les scientifiques? Géographiquement parlant, l'Israël n'a pas la terre. Vous êtes d'accord les scientifiques? La réponse est oui. Comment expliquer aujourd'hui que l'Israël a la terre palestinienne? C'est parce que spirituellement parlant, Dieu a donné à l'Israël qui géographiquement n'avait pas la terre. Comprenez comment Dieu travaille. Que je m'explique dans quelle langue. Ça dépasse la chimie, ça dépasse la science. Sur le plan géographique, l'Israël n'a pas la terre. Soyons sérieux. Quand Dieu donne à Abraham la terre palestinienne, cette terre, elle n'était pas inhabitée, c'était une terre habitée. Vous êtes d'accord? Oui. Mais Dieu qui dit, quitte ton père et ta mère, va là où je t'envoie, je rendrai ton nom grand. Et Dieu qui prend une terre qui était habitée. Comment expliquer cela? J'ai besoin de professeurs qui viennent expliquer ça. Pour vous dire ceci, Dieu peut prendre ce qui semble t'appartenir. Suivez mon français, ce qui semble, ce qui apparaît, yayo, il le donne à quelqu'un d'autre. C'est ce mystère-là. Si nous croyons à la Bible, si vous êtes les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas me contredire là-bas. Pour ça, parce que géographiquement parlant, Israël, la zone mabilité, les lois yango, n'a pas les signes, pas commis, pas un. C'est pourquoi, Bosembe, je n'aime pas moi qu'on parle des élections. Que Félix ait eu une devoir, parce qu'il était né. Alléluia, président. Le voici, président. Le sac, président. C'est ce mystère, Bosembe. Écoutez, je pense que parfois, quand on parle de ces choses, il y a les gens, voilà, on ne fait pas déjà. On dit, Bosembe, difficulté. On ne va te blesser, parce que tu as raison. Eh bien, vous souvenez-vous, Bosembe, l'émission à Bengadé, Bosembe, l'émission à Moutouanate, les loyers, si Manayo. Les lois changent, mes colonies n'ont pas cité. Mais tout le monde a comme aussi qu'à bosser. J'aimerais un jour, parmi les émissions que vous faites, comme Baninga no Basalaka, que vous puissiez prendre courage et de dire aux gens. Vraiment, hein, parce que Jésus a dit, ce que je vous ai dit dans les noirs, dites-les publiquement. Dites aux gens que ce qui a soutenu Félix, je suis celui qui vous avait dit ça. Pendant ce temps, il n'était pas président. Dites aux gens, ce pasteur ici m'avait dit que Félix sera président. Expliquez aux gens, bah, yo abatika yo kimia, yo yabatou, ou le pasteur. Si réellement, ça sera comment je dis, Bosembe, Félix sera président. Non, non, votre salamité va soutenir ce monsieur-là parce que j'étais avec lui. Un jour, dites à ces gens, batika yo kimia. Bah, il va te dire yo poste à canabatou, moi, Bosembe, il y a pas moins d'Zambé. Bah, moi, au dos, mon ami. Israël et puis bloqué loco oyo. Moko loko yamba pasteur nabo balwa kaminga. Ah, il y a quelque chose. Là, il faut me citer que le prophète avait dit que géographiquement parlant, l'Israël n'a pas la terre. Mais alors, comment expliquer aujourd'hui l'Israël a la terre? Il piétine les qui? Les Palestiniens. Bakolo mabile. Alors, pesanga réponse bako pesa yo. Pour vous dire que Zambé, mbayi bakambo ya élection. Je ne parle pas ça. Mon frère, eh bien, le lendemain, nous avons monné la camoufla. Nous avons commencé à négocier avec tous les monnaies. Tous les monnaies. On monte pas tous les lots, hein? Non, Christian, comment nous tournons? Non, non. Comment nous tournons? Au coléka, wana. Coléka, na coléka. Parce qu'au bout de temps, il y a des gens qui sont songolo. Nous avons tout bakoya, balo bela mutubabe. Nous avons tout bakoya, mouvement. Puis nous avons ça la jalo la félicité. Té. Talanga bien. Nous avons ça la jalo la félicité. Puis nous avons le bagaboyi. Si même si il arrivait que babenga. Il n'a pas dit ça pour n'a pas bien gagné. Je suis dans mon pays, je l'aime ici, je parle les choses telles qu'elles sont. Le président, Dieu lui a donné le pouvoir, il était né président. Azala n'a pas monko, Azala n'a mis balai, il est président. Les Congolais, vous devez l'aimer. Mais comment ça, on va terminer, comment ça va se passer la suite des choses maintenant?
Ah, vous voulez qu'on parle publiquement? Tonkoutana, je vous dirai la suite des événements. D'accord. Un prophète connaît la suite des événements. Ne craignez rien, je sais, là où on va, sincèrement, le je pays, ne blague. Le pays ne va pas s'embraser? Et puis, ce fantasme-là, cette théorie fausse-là, s'embrasse, il base de quoi? Bon, d'ailleurs... Tu as une vidéo, mon Kabi Lobé, tu as si... Madame Christian, même si s'embrasser, et bandine de l'eau, c'est mieux embrasser, Bandaga. Tu vis pas gagner, tu vois. Tu vas donner un roi, là, ici, tu vois. Est-ce que guerre est à Félix? Bon... Mbemba Zaki na République n'était Barubero n'était. Nambo, il y a Félix Zaki président. On ne terrorise pas les gens comme cela. Dede, il n'y aura rien. Ce pays est en abattu. Terreur-té. Mais nous voulons qu'il y ait des départs et d'autres. Parce que ici, qu'on se mette quand même à la place, il y a Baonaba Oyo. Au moins, il faut qu'il y ait. Mais, au tel que le Nouvelle ces gens semblent ne pas le pays à un moment donné. Ne craignez rien. Là où il y a un prophète, hein, Dieu protège le pays. La théorie des chaos, ces songes, ces rêves-là, moi, je ne vois même pas Yango. Mais ce qui est, et bandite, et puis, et yakapé, et yakaye le kaka. Est-ce que Bissou Aliboso, Tommy embrasse, et aussi la papa, au moment où je parle d'Ethiopie, Bazobunda, Naba Tigre, Bazobunda, parce que Bandinga Kokata, pouvoir malembe, malembe. Maréchal, quand il prend le pouvoir, il avait trouvé ce pays déjà mietté. Et Bandinga Lote, Azongisa Yango. Président Joseph, quand il prend le pouvoir, à Koutaki Akukatana, à Zongisa Yango. Et si quelque chose, par erreur et la mouki, Dieu va piétiner cela. Croyez à cela. Merci beaucoup, merci. En fait, on va terminer. Mais est-ce que nous pouvons savoir ce qui. Le pouvoir, définitivement, le pouvoir vient de Dieu. Et comment, quelle attitude on doit avoir devant un porteur de pouvoir? Tout à fait. Tout pouvoir vient de Dieu, la réponse est claire. Le seul problème, c'est l'exercice maintenant. Hein. C'est dans l'exercice du pouvoir. Dieu peut donner à un homme un pouvoir. Hein. Il peut être, peut-être, je ne sais pas, président. Mais s'il exerce mal, là aussi, bon, vous avez quand même des portes déjà de ce côté-là. Il ne faudrait pas qu'on ramasse des gens comme ça. Tu ramasses, je ne sais pas, ou non. Des choses de cela, non, non. Il doit s'entourer avec les gens qui craignent Dieu. Des gens intelligents qui lui disent les choses telles qu'elles sont. Pas voudrions qu'elles soient. Là, c'est clair. C'est de cette façon-là parce que nous devons évoluer. Maintenant, comment, quelle attitude que nous devons avoir devant celui qui a donné le pouvoir? C'est le respect. Et je dirais même absolu. C'est le respect, comme l'avait dit le Marshall à l'époque. Que le pouvoir est sacré. On ne blague pas avec le pouvoir. Hein? Le pouvoir est sacré. Voyez-vous? Un roi n'a pas les amis, hein, avec des petites vidéos, tout à la kiwana, mouta soko tabino fandi, fimbo na tiro makala, zoka, zoka, voilà, donc, roi, azana mamate, ana tatate, azana moningate, roi vit éternellement. Un prophète azana moningate. Alors maintenant, quelle attitude, en commençant par, savez quand je vois, à un moment donné, d'autres partis, je ne suis pas venu citer des partis ici, partis n'avaient pas la contestation, non, non, vous ne pouvez pas contester votre roi, il faut se taire. C'est vrai que nous sommes dans un monde moderne, tu as tout ça à sujet, ou à Zanzambe, roi Zanzambe, toi adoré, tu as critiqué, et nous devons avoir des critiques objectives, hein, pas des critiques basées sur la haine, le tribalisme, non, attitude, même vous. Au Koutani, le président, mon frère Bossem, il faut que ça m'a tout boyé. Mm. Ah oui, c'est un roi. Au Soyoka, Nenga Yamba, qui est un boyé. On va faire moi, toi, c'est là. Oh, t'es papa, boyé. C'est cette attitude-là, mon tounions. Moi, je vais faire bande de FCC, wana, baloulin de Bassala, ça va. Bah, maladie, à un moment donné. À sa président. Et puis, ce n'est pas, à répondre, ce n'est pas Kabila qui lui a donné le pouvoir. Ce n'est pas les Américains. Ce n'est ni les Baloubala, ni les gens de l'IDP, ni Yoninga. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Surtout comprendre, bon, hein, comme ça, tant qu'il est là, Nicolas Kosana Bamboula, il mérite d'être respecté. Mokolo, yo, pokoya. Oh, to salé la qui? To salé lui. Parce que la Bible dit, ce que tu veux que les hommes fassent pour tout. Fais-le pour les autres. Fais-le pour les autres. Ce que tu ne veux pas. N'a pas to sayete. Donc, c'est en ce sens de l'attitude, c'est le respect. Si je dois porter une critique, et c'est la critique mon con,
Il y a Bolingo, voyez-vous. Je vous ai mon frère Christian. Ah, peut-être on a séparé. N'a koyate, n'a banda, ko déplacé débat. Non, on dit que tiroir ton dit ton boukayango, batouazana, basse soin. Roi, on ne blague pas les rois. Dès qu'un prophète lui-même, il faut se prosterner. N'est aucun dé, et on ne peut pas parler à un prophète. Et le colo, son anadiacre, même un pasteur, mais non, un prophète, c'est autre chose. C'est pourquoi nous sommes dans un monde moderne. Non, non, on se prosterne. Et que dire de voir? Donc, l'attitude, même maman Denise. Il ne doit pas parler au président de Kola Mbale, au roi. Même la chambre, mon président. Même Nandako, mon président. Nandana Sengeri Kozalela. Maman Marthe, il faut donner, échanger. Il doit dire, mon président. Il faut 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 dire, mon président. Notre président. Et puis, respectez la montée, mais l'hypocrisie. Quand je vous aime au sein, je dois vous aimer même en votre absence. C'est lui qui aime quelqu'un, il doit l'aimer quand il est absent. Je ne peux pas vous aimer parce que je vous vois. Si je vous aime, je dois vous aimer. Ce qui aux athées, c'est ça le vrai amour. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Alors, on a terminé cette émission. Je voulais suivre les témoignages. Suivez les témoignages calmement et puis revenez en posant des questions. Et puis après, on va se retrouver tout de suite après ces témoignages. Suivant. Amen. Yeah.
Parce que nous avons fait un peu de temps à l'hôpital, 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 à l
Azusa la rappelé de cette que nous sommes aux autres. J'aime bien quand on fait la prière ici, malheureusement, hein, beaucoup, que c'est là qu'on vient ici, la bonne lieu, Oyo, ma souveraine, nous appelons mon aguer, et ça va souffrir dans ta vie. C'est que toi-même, tu ignores. Il y a des choses dans nos vies, on est sur le côté de ma famille, les amis. Il y a tant de conseillers qui ont fait dans la 2017 des acquis qui brisent. Brisent et avaient la paix, car je me l'ai dit dans le groupe à sa vie. Maman n'a pas à ça, on a dit qu'on a fait à ça, aller dans la Zalia. Quand maman n'a pas eu tout ça, ok, on a fait une compagnie pour laisser maman. Maman, nous sommes sautés quand pas ouvert même pour passer là et téléphone. Bref, ma mère a vu le cancer dans son sabre à l'huissier. S'il te plaît, pour ça, bien pour la beauté, pour t'y cailler, pour ce que vous pour être comme ça, bien, bien, bien. Donc, ma mère, c'est que ma maman, au lieu de vivre ensemble, mais ma maman est église. Ma mère est église, ma soeur qui va dire la main en 2017. Tout s'est passé bien. Au moment de la tête du vin, la maman est confinement. Brisquement, subitement, dans la vie que l'autre a, on va être là. La nuit que l'autre allait des fois, bien, nous souffrons des fois, menaçant vraiment. Et ce qui quand on a dit, pas dans la paix, comme il faut l'autre aller. Ah! La paix, maman, la paix, mais ça fait longtemps que mon maman, je suis en train de venir là. Bonne idée, est-ce que l'autre a parlé là, venez? Après, la paix, maman, comme il faut l'autre aller, comme il faut l'autre aller, maman, je fais, et comme il faut l'autre aller. Bah, maintenant, moi, je n'ai pas comme il faut l'autre. Bref, je dis, c'est un grand, mais je vois que ça n'est pas dans la maman, confinement. Sauf la loti de la boule à souci, et pour la loti, y'a rien. Comme la loti de souci. La loti de souci, la loti de souci, pas de pour la zèque en Ghana. La zèque en pastel, hein. On a la Paris. La vieille de Sierpe. Capital, papa, ils sont des colons, la télé, comme colons. Alors, finalement, bon, je vais prier que Dieu me donne des orientations. J'ai la orientation à la prière, et y'a la télé. J'ai la orientation à la prière, et y'a la télé. Même un jour, tu as cette petite bosse à faire à la femme, elle est en église, mon sol, la bébé. Et puis, comme ça, elle commence à la prière. L'église, on a fait ensemble avec ici, la voix de lui. Yé, ma soeur, la mère, elle est au couteau, on commence à la prière. Ah, elle est au couteau, on a fait la prière, elle est dans un bambou, à lui, la mise. J'étais fatiguée. On commence à la prière, le tout ça, c'est le tout. Et puis, elle va y aller. Non, oui, mais je ne sais pas comment elle a lancé la prière, au moment où elle a dit. L'église de la Bible, ça va y numéro 1, pasteur Jérémy, à Bibel. La Bible, pasteur Jérémy, on l'a expliqué et tout. Alors, il y a un peu de filet, on va y avoir sur la gueule. On va bien expliquer. Et ça vient de bien. La mauvaise église, vous savez quoi, la prière. Maintenant, parce que la Bible, on va pour ça, la prière, 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. Donc, comme il faut, samedi, nous savons que nous avons ici 18h, à l'opinion de la soirée, on dit qu'il y a une salle de 20. Vendredi ou vendredi, on fait la même chose avant. Après, il y a un peu de travail, on a vu qu'il y a des cours au Sokola. Après, on y est venu. La tête de la soirée, il y en a bref. La boutou n'a pas allé. La boutou, on va aller dans la haie. Tout ce que cela nous viendra, tout à quoi. Oui, bien aimé, tu veux te prouver sur moi. Voilà, Esaïe, Bonganga, Yanganga, Zambé, qui a transmis le papa à Naïe. Parce que la Kawane, c'est réel, Naïe, à Kosala, et maman, ça a été atterri dans sa papa franchi. N'est pas qu'on ait mis un problème, voilà, parce que nos accolis, c'est toute une école. Pour éviter tous les gens à former à Dieu, mais l'on est à la vie. N'est pas mis maman 3 jours à prier, dans la zone chez les côtés, il y a peu de chez les côtés. Samedi, tous ces prières, ben quand ça y est, dans la salle de nos prières. Tous ces prières, quand on est, la vie c'est pas la voyée, position voyée, on a la voyée, pas avec la chef prière, après prière, socorre la main. Après moi, Yohan, maman, Sokoli Maï, n'a pour tout maintenant, moi, maman, n'a rien à y aller. A MBC, qui est commandé, il y a un yo, ton kawani, et si, n'a qu'il y a un tiki, on a pas. Et le prix, nous, qu'on a dit, alors, t'as qu'à souvent, on va aller à y aller.
c'est ce qui a fait que maman a sa confiance. Il y a beaucoup de gens qui ont la première. Alors, vous avez suivi les témoignages, c'était fabuleux, n'est-ce pas? Le pasteur va maintenant donner ses coordonnées, là où l'église se trouve. Et puis voilà, donc on va se retrouver. Pasteur, on a fini les témoignages, on le commentera la semaine prochaine, mais donnez-nous l'adresse, les numéros. Merci. Si on ne vous demande pas trop, essayez de nous aider d'afficher. Oui, on le fait toujours. Merci, on le fait toujours. Gentil. Mais il y a des gens qui n'ont pas la vie. Ah oui. Mon numéro, c'est... Comment dire, 09 98 32 38 98 à la fin encore, hein, ou 98 français belge. Donc je reprends 09 98 pour vous faciliter 32 38 98. Voilà. Très bien. Et l'adresse, nous sommes dans la commune de Limetin, quartier résidentiel. 6e rue, coin avenue de la Révolution, numéro 817, c'est là où nous sommes. Mardi, mercredi, vendredi, délivrance, et dimanche, on est là et je reçois tous les jours. Merci beaucoup, pasteur, prophète Emmanuel Dodi. Mesdames et messieurs, vous avez suivi l'émission, c'est vrai. On a passé beaucoup de temps. Vous avez suivi les témoignages. Vous avez besoin de poser des questions, faites-le. Écrivez au bas de commentaires et on va les lire. Pourquoi ne pas le poser après? Merci d'avoir été nombreux, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Digilink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur Digilink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur gigilink.com. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuez-nous aux hommes, ces hommes noirs, Daïmada, Chino, Tuenéné, Nakinia, Panapiko. Loye Mbolo Ndende Yali Sanga.